Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder un solo dans le style de Lenny de Stevie Ray Vaughan. Lenny est une super ballade de Stevie Ray Vaughan, un petit peu dans le style blues jazz qui est sorti sur son premier album qui s'appelle Texas Flood. Je vous invite également à écouter la magnifique version live du Mocambo qu'on peut trouver sur YouTube. On a déjà travaillé ensemble toute l'introduction, il y a déjà plusieurs mois, et vous avez la partition gratuite sur mon site internet Bass Guitar and Rock'n'Roll. Donc au menu du jour, on va regarder le solo que j'ai joué sur la démo, que j'ai écrit dans le style de Stevie Ray Vaughan, et qui est une commande de Seb qui me demandait justement de vous proposer des plans pour jouer dans le style de Lenny. Donc les amis, prenez votre guitare électrique, je vous explique un petit peu aussi le son que j'ai utilisé, la guitare que j'ai utilisée, les réglages d'ampli. Donc à vos guitares électriques les amis, c'est parti! Alors deux trois petites choses avant de commencer, je vais faire le tuto avec une gratte accordée en mi standard, la démo était en mi bémol, Stevie Ray Vaughan joue toujours en mi bémol, donc si vous êtes fan de cet artiste là, ou même de beaucoup d'artistes des années 70 ou 80, je vous conseille d'essayer d'avoir quand même une guitare accordée en mi bémol. Vous voyez par exemple celle-ci, même si elle est accordée en mi, c'est une petite Squire de luxe qui coûte pas très très cher, ou bien aussi dans le style Strat des Yamaha Pacifica, et ça peut vous permettre d'avoir une petite guitare d'appoint comme ça accordée en mi bémol qui vous coûtera pas trop trop cher. Et puis ça vous permettra de ne pas avoir à vous désaccorder systématiquement dès que vous voulez jouer un morceau en mi bémol. Au niveau du son, donc là j'utilise la deuxième position, la Strat, histoire d'avoir ces deux micros là. J'aime beaucoup ce son là pour jouer dans le style blues, blues jazz, il y a un son que j'aime beaucoup. J'utilise le Vox qui est là, que j'ai déjà présenté, qui est le 20T20X de chez Vox. Donc j'ai mis de la reverb, et puis j'ai utilisé la simulation Fender, et puis j'utilise aussi pour le crunch une pédale Blackstar HT Dual, et là donc, je l'ai mis sur le premier canal, crunch léger. Donc pour jouer Lenny, je vous renvoie, je vais mettre un lien, un tuto que j'ai fait sur la présentation de tout le début du morceau. Pendant le solo, on rencontrera deux accords, on va dire, de base, hein, qui seront le mi majeur. Improviser sur un mi et sur un la majeur. Donc juste avant de démarrer le solo, je fais un plan sur le mi, un plan sur le la qu'on a déjà vu lors du tuto précédent. Ensuite je vais alterner le mi grave avec des harmoniques, d'accord, il y aura ça sur la partition. Donc sur le mi je fais une noire,
une série d'harmoniques à la 12e case en triolet. Ensuite, je passe sur le La 6, et je vais faire ça. D'accord ? De toute façon, vous aurez tout ça sur la partition. Et ensuite, je vais faire deux triolets. Comme ceci, l'accord de demi. L'accord de Do, Ré, Sol, Si. Et je reviens sur l'accord de Sol et de Ré. D'accord ? Donc juste avant le solo, les deux mesures qui précèdent le solo, je joue ça comme ça. Mi. Une glissade. Ok ? L'idée des plans que je vais faire, en fait, ça va être sur le Mi majeur. Ça va être essentiellement de la gamme de Mi mineur pentatonique. Ok ? Ou la gamme blues. Le premier plan du solo va être en fait une gamme de Mi majeur pentatonique. Donc on en a déjà parlé ensemble plein de fois. Je vous renvoie éventuellement vers un DVD sur l'apprentissage de la pentatonique mineure. Et à la fin de ce DVD, on parle un petit peu de la gamme penta majeure. En fait, on a un Mi ici, à la 12e case. Et en fait, on va faire la gamme de Mi mineur pentatonique quelque part, mais en la décalant. Au lieu de jouer 12-15, on va jouer 9-12. Et à la 12e case, on a Mi. Donc la gamme de Mi majeur pentatonique pourrait être celle-ci. D'accord ? Donc Mi mineur pentatonique, 15-12, et on descend la gamme. Ou Mi majeur pentatonique, 12-9, et on descend la gamme. Ce qui va se passer aussi par moment dans le solo, c'est qu'en fait, on va faire entendre la tierce majeure de l'accord de La. La tierce majeure de l'accord de La, en fait, c'est un Do dièse. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais en gros, on va jouer de temps en temps sur la 14e case de l'accord de Si, ici. D'accord ? Et on jouera aussi de temps en temps sur la 11e case de l'accord de Ré. D'accord ? Parce qu'en fait, ce sont des notes qu'on retrouve dans l'arpège de La majeure. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces concepts-là, je vous renvoie vers une série de cours que j'ai fait qui traite de ces sujets-là sur le solo blues. Donc je vous montre l'arpège de La majeure. Plus précisément, l'arpège de La 7. C'est-à-dire un accord avec une fondamentale, une tierce majeure, une quinte et une septième mineure. Et vous voyez qu'en fait, en jouant cet arpège-là, on retrouve la tierce majeure du La ici et la tierce majeure du La ici. Donc de temps en temps, on appuiera ces notes-là pour le solo. Voici le premier plan. On va faire un Mi en noir. Et en fait, après, on va faire une série de sextolés. Parce que l'idée du solo que j'ai écrit, c'est d'essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué. Le tempo sur les Mi est plutôt lent. Donc les sextolés, ça s'y prête plutôt pas mal. Donc je vais descendre la gamme comme ceci. 12-9, 12-9. Donc je descends la gamme de Mi majeur pentatonique. Un petit peu comme dans la gamme pentatonique mineure, on peut prendre cette note-là, d'accord ? 12, 11, 9. La différence que dans la pentatonique mineure, la note ici, ça serait une blue note. Et là, dans la gamme penta majeure, en fait, c'est une tierce mineure, d'accord ? Donc voilà ce qu'on peut faire. 12, 9, 12, 9. 12, 11, 9 dans la même attaque. Glissade et liaison. Ensuite, je rattaque la 11e case, corde de Ré. Sur la corde de Sol, 9, 11, et je glisse à 13. En fait, là, je vais dans une nouvelle position de la gamme pentatonique majeure. En fait, ici, on est en 5e position. Et là, quand je vais ici, pour faire 13, 12, en fait, je vais chercher des notes dans la première position de la gamme pentatonique majeure. Une fois que j'ai fait ça, je fais le chemin inverse sur la corde de Sol. Je vais faire 13, 11, 9. Corde de Ré, 11,
9, 11. Ok. Et pour finir le plan, je vais faire un plan en double stop, un petit peu à la Jimi Hendrix. Avec l'index, je prends 9e case, corde de sol et de si. Et je vais faire un hammer, en fait, sur la 11e case, corde de sol, pour jouer comme ceci. Et là, en fait, je fais un triolet. 1, 2, 3. Je le refais une quatrième fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'attaque 9-9. Je remonte mon petit barré 9-9 sur la corde de ré et de sol. Je vais faire un hammer à la 11e case, corde de ré, et je le fais deux fois. D'accord ? Donc la fin du plan va être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, c'est ni plus ni moins que des triolets. Ok ? Donc ça, c'est le premier plan du solo. Écrit, en fait, je l'ai pensé comme dans la version studio. C'est-à-dire que la version studio, il y a toute l'intro qu'on a déjà vu ensemble, et en fait, le premier solo dans la version studio, en fait, il y a 12 mesures. Donc, il y a 6 fois la mesure en mi et la mesure en la. D'accord ? Donc, en fait, là, je vais vous montrer 6 plans. Donc, voici le premier plan, basé sur des sextolets et des triolets. En fait, je fais une glissade et après j'attaque pour le deuxième plan à nouveau la corde de mi. Pour le deuxième plan, donc je vais faire sur la corde de mi 12-14 sur la corde de si et ensuite j'attaque la corde de mi aigu qu'on peut faire deux fois ou une fois. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la 14e case qui était la tierce majeure. De là, mais c'est aussi la sixte de mi, d'accord ? Donc en fait, si on pense à la pentatonique majeure de mi, voici la position que vous trouvez donc dans le DVD sur les pentatoniques mineures. D'accord ? Je le refais une fois. Et on a bien dans la pentatonique majeure de mi 12-14-12. Ensuite, un plan sextolé sur la gamme blues. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, encore une fois, avec beaucoup de liaisons. 15-12 cordes de si en liaison. Corde de sol 15-14-12 avec une glissade. Une liaison. Donc, sans rattaquer au niveau de la main droite. Et je finis sur le mi du milieu. Ok ? Pour finir ce plan, je fais un double stop 12-12, corde 2, sol et de si. Ok ? Là, on est donc arrivé sur la mesure du la. Et je vais faire un plan typique à la Stevie Ray Vaughan en hybrid picking. Donc, je vais attaquer avec le médiateur la corde de sol. Et avec le majeur, je vais attaquer en même temps la corde de mi aigu. Donc ici, j'ai fait un barré 12-12, d'accord ? Je barre les trois petites cordes. Pour démarrer le plan, je vais faire très rapidement une appoggiature, c'est-à-dire je vais jouer 14-15 avec le troisième doigt sur la corde de sol. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, 14-15, je rattaque en double note, 14. Je pars avec le troisième doigt, le petit barré ne bouge pas. Et ensuite 12. Ok, donc ça donne. Ensuite, je rattaque 14 et 12 en note simple. La fin du plan se finit sur la première mesure du mi suivant. Je vais faire la sixte majeure. Ici, 14 cordes de si. Ensuite, la tierce mineure, 12 cordes de sol. Et ensuite, le mi du milieu. D'accord ? En double croche.
me souviens qu'en fait j'ai fait que une double note pour démarrer en 14-15. Donc je vous rejoue ce deuxième plan qui déborde sur le troisième plan. Donc le premier temps du troisième plan était ça en double croche. Ok. Ensuite on va voir un plan en double stop. 12-12 sur les deux petites cordes que je joue en remontant. Ensuite 14-14 avec le troisième do accord de 2 sol et 2 si, suivi de 12-12 sur les mêmes cordes. Ensuite 14-12 sur l'accord de ré. Et ensuite, pour faire entendre l'accord de la ou de la 7, je vais jouer 11 sur l'accord de ré, qui est la tierce majeure de la. Je vais chercher le la avec le deuxième doigt à la 12e case corde de la. Ensuite, je rejoue la tierce majeure et je vais jouer la 7e mineure de la à la 12e case avec le troisième doigt, 12e case corde de sol. Et vous voyez qu'en fait ici, j'ai un petit accord de la 12, 11, 12. D'accord ? Donc le plan, le voici. Je suis en double croche. Triolet noir. Ok. Pour finir le troisième plan, j'anticipe le retour sur mi majeur. Et donc, je vais commencer par des notes de la pentatonique majeure de mi. Donc, je vais faire 14 cordes de la, 11 cordes de ré et 14 sur la corde de ré également, d'accord ? D'accord ? Une fois qu'on a fait ces trois notes-là, on va faire une appoggiature 12-12, et très très vite, on va faire entendre la tierce majeure ici, d'accord ? Donc c'est un plan blues, pentatonique mineur, pentatonique majeur, on pourrait dire, en faisant une appoggiature tierce mineur, tierce majeure. Ok ? Ensuite, avec le troisième doigt, je prends 14, 14 cordes de sol et de si. D'accord ? Et ce plan-là, je vais le faire trois fois. En fait, la troisième fois, je vais pas revenir sur le 14-14, donc ça va donner ça. Une fois que j'ai fait ça, avec le troisième doigt, je vais faire 14 cordes de ré, 14 cordes de la, 12, 11 avec le premier doigt sur la corde de la. Ensuite, je retourne sur 14 ici. Je monte 11, 14 en dessous. Ensuite, tierce mineure. Donc là, on est toujours sur la corde mi. Ensuite, je fais un bend à la 14e case. Et pour finir la mesure, je fais 12, 12 en petit barré. Cordes de si et de mi. Donc voilà le plan. Ok. Et donc là, c'était la première mesure de mon quatrième plan. Ensuite, on arrive sur le la. Je fais un bend à la 15e case. Ensuite, derrière, je refais 12-12. Et bend à la 15e case sur la corde de mi pour faire entendre le la. Pour finir ce quatrième plan, les deux dernières doubles croches seront 15-12. D'accord ? Donc je vous fais ce quatrième plan en entier. Cinquième plan, en l'air du premier temps, on va faire 3 doubles croches de triolet. Ça va nous donner 15-12 comme tout à l'heure, en fait, en liaison. Corde de sol, pareil. Blue note, je glisse à la 14.
Je lis à la 12, d'accord? Et je finis sur le mi du milieu. C'est un plan qu'on a déjà fait tout à l'heure. Faudra regarder au niveau de la partition, le timing est légèrement différent parce que là, on ne le joue pas sur le temps, on joue en l'air du temps. Ensuite, on va faire un plan en deuxième position pour arriver sur la mesure du La. Stevie Ray Vaughan jouait beaucoup en deuxième position. Donc là, je fais une glissade rapide de 14 à 16. D'accord ? Première double croche. Ensuite, 15-17 sur la corde de Si. Et 15 en dessous. D'accord ? Donc on a 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Ensuite, je vais faire un bend à la 17e case. Ok ? Donc c'est le bend qu'on joue en deuxième position. Ce bend-là, j'attaque pas sur le temps, j'attaque sur la deuxième double croche du premier temps. Deuxième temps, triolet, mais j'attaque pas la première croche du triolet, j'attaque la deuxième et la troisième. Ensuite, je vais faire un bend à la 16e case d'un demi-ton. Stevie Ray Vaughan faisait souvent ça, ce qui nous permet d'entendre en fait une note de la pentatonique mineure. En fait, la carte, c'est-à-dire le La. Hein. Donc le plan nous donne... D'accord ? Ensuite, je vais rattaquer 17 en bend. Ensuite, je vais refaire deux bends en triolet sur le quatrième temps. Encore une fois, sur la deuxième et la troisième croche du triolet. Et sur le premier temps de la mesure suivante, qui sera donc le dernier plan, je vais faire ça. Très classique, un bend à la 17e case. Je le redescends. Dans la même attaque, je lis à 15. Et je conclue sur 17 cordes de Si. Qui est ni plus ni moins que la fondamentale de Mi. Donc le deuxième lick de ce cinquième plan, c'est celui-ci. Ok, je fais en entier ce cinquième plan. Voici donc le sixième et dernier plan. Sur le deuxième temps, je vais jouer en l'air du temps et je vais faire donc trois notes. Je vais faire 12, 15, 12 en liaison sur la corde de Si. D'accord, hein, c'est donc la moitié d'un sextolé. Ensuite, sur le troisième temps, un sextolé, bend en 14, corde de Sol. 12-12 sur la petite corde, enfin sur la corde de Si et sur la corde de Sol, suivi à nouveau de 15-12 sur la corde de Si. D'accord ? Donc sur le troisième temps, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite 14 sur la corde de Mi aigu. Ensuite, on arrive sur l'un des plans clés de Stevie Ray Vaughan, et là, c'est le seul plan que je vais jouer en octolé. Octolé, ça veut dire 8 notes par temps. On va faire une trille 12-13-12 sur la corde de Mi aigu. D'accord, j'attaque une note. 12, hammer, pulling off. Ok. Ensuite, 15-12 sur la corde de Si. Blue note, 15, glissade à 14 sur la corde de Sol, liaison à 12. Et ensuite, 14 sur le mi du milieu, corde de Ré. On a donc... En fait, on n'a pas 8 notes, on en a 9, d'accord ? Donc en fait, ce qui veut dire que si on pense ce quatrième temps comme un triolet, en fait, chaque croche va être remplacée par un triolet de double croche, d'accord ? Un triolet de double croche nous donne donc 3 notes. Sur une croche, triolet, on a 3 croches, donc on a donc 9 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ça va être assez rapide à jouer. C'est le plan le plus rapide du morceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'en fait, il y a beaucoup de notes, mais il n'y a pas beaucoup d'attaques. Il y a une attaque ici, 12, 13, 12. Une attaque sur la corde de Si. En fait, il y a une attaque par corde. Une attaque sur 15 et sur 14. D'accord ? Et ensuite, il y a un plan pas très difficile sur ce sixième plan, lorsqu'on est sur la corde La. Premier plan, 14-14 avec le troisième doigt à corde de Sol et de Si.
12-12 à côté. Ensuite 14-12, corde 2, ré. Donc 1, 2, 3, 4, bas, haut, bas, haut. Ok. Ensuite, deuxième plan, double croche, je fais un petit barré 12-12 sur la corde de ré et de sol. Et je fais un hammer avec le troisième doigt, 14e case, corde de ré. D'accord. Donc j'ai fait ça en appoggiature, c'est donc ma première double croche, suivi de 12-12, corde de ré et corde de sol. 14-12, corde de la. Donc le deuxième plan en double croche nous donne 1, 2, 3, 4. Premier plan en double croche. Ok. Et pour finir, en fait, on va faire un plan en triolet. La première croche du triolet, il y aura une appoggiature. Je suis en 12-12, corde de ré. Non, corde de la et de ré, pardon. Et je fais un hammer 14e case sur la corde de la. Je fais ça trois fois. 1, 2, 3. Ça, c'est mon premier triolet. Et sur le deuxième triolet, je vais faire la même chose. 1, 2, 3. Et ensuite, mi majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi. Le plan complet sur la mesure de la. Ok. Le sixième plan complet, mesure de mi et de la. Donc je vais refaire tous les plans très lentement. Et évidemment, si vous avez la partition, ça peut que vous aider. Donc allez sur mon site bassguitarandrock'n'roll.com et vous aurez gratuitement l'extrait du premier plan. D'accord ? Je rejoue donc le premier plan du solo très lentement. À la fin. Ok. Deuxième plan. Ok. Et ce dernier plan là, en fait, je l'ai débordé sur la mesure de mi suivante. Donc c'est le début du troisième plan. Je rejoue ça une fois. Troisième plan, donc je reprends des notes du plan précédent. Ok. Donc là, pareil. Hein. En fait, souvent, le dernier temps de la séquence mi-la, donc le dernier temps du la, est une anticipation sur le plan d'après. D'accord ? Donc je refais ça une fois. Plan suivant. Je recommence ça très lentement. Cinquième plan. Encore une fois. Dernier plan, donc le sixième. Une dernière fois.
dernière fois et ce sera la fin du tuto. Voilà les amis, c'est donc la fin du tuto. On a donc regardé ensemble un solo dans le style de Stevie Ray Vaughan sur Lenny. Donc je me suis inspiré un petit peu des différentes versions que j'ai pu écouter. Et j'ai essayé donc de vous faire un truc entre guillemets pas trop compliqué. Donc j'espère que je vous ai bien expliqué tous les plans, j'espère que j'ai pas été trop vite. Il a quand même fallu que j'avance dans ce tuto, parce que j'aurais pu y passer 3 heures pour vraiment rentrer dans tous les détails de tous les plans. J'ai quand même essayé d'être le plus efficace, donc j'espère Seb que ce tuto va te plaire. Donc n'hésite pas à me dire ce qu'il en est. Et donc voilà, je vous souhaite bonne musique. Éclatez-vous bien sur ce magnifique morceau. Servez-vous aussi des petits plans et surtout des conseils que je vous ai donnés sur les gammes à utiliser ou les sixtes majeures qu'on pouvait jouer sur l'accord de mi ou sur la tierce majeure qu'on pouvait jouer sur le la. A très bientôt les amis, bonne musique, bye bye.